What's up sur l'internet, j'espère que vous allez tous maléfiquement bien. Je vous ai pour une nouvelle vidéo comme personne, parce que je n'ai pas d'amis pour l'instant. Je voulais juste vous dire les amis que les avant-postes vont être un claim aujourd'hui sur K-Faction à 20h. Donc aujourd'hui, normalement ça va être le 23 août à 20h, donc heure française. Et l'heure québécoise, vous faites juste moins 6 je crois, et vous allez avoir votre heure. Donc environ vers 2h de l'après-midi. Pour ceux qui voudraient être intéressés, pour les Québécois c'est 2h de l'après-midi, 20h heure française. Donc, voilà, on va juste faire un claim des AP. Et il y aura aussi, en ce moment, il y a un tweet où vous pouvez gagner un double claim AP Nord, celui le plus droit devant le spawn. Vous pouvez gagner juste les deux claims. Donc, on va choisir une faction, un joueur gagnant via notre Twitter. Le concours est dans la description. Aujourd'hui, les amis, ça va être une vidéo avec un membre du staff, Mr. Cheat, qui est le chef de la Favoritis, avec un autre joueur qui s'appelle Soucisson du Turfu. Il n'était pas disponible pour faire l'entrevue avec moi aujourd'hui. Donc, ça va être Mr. Cheat qui va faire l'entrevue avec nous. Et peut-être Malfox va nous rejoindre pour visiter la base. Donc je vais vous reprendre dans la base du joueur. A tout de suite. Yo les amis, on est accompagné de Mr. Cheat, un modo de la favoritiste si je me trompe pas, c'est ça? Non. Même pas modo. Non mais je connais bien les modes. Ok, et puis en gros, aujourd'hui j'ai vu que Soucisson du Turfu qui est le chef de leur faction n'est pas disponible. Ils vont nous présenter leur base parce que je sais pas pourquoi je me suis TP aléatoirement à eux. J'ai vu qu'ils étaient quand même vachement bien, leur base bien faite. Même si, comme on peut voir le classement, ils ont seulement un point. C'est assez spécial. Donc déjà, peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez qu'un point avec des aussi grosses farms de cactus ainsi que de cannabis, pas de cannabis, de cannabis, excuse-moi. On a des plans assez secrets, donc je peux pas trop t'expliquer pourquoi on a... Ok, donc on garde les plans secrets, ok, vous la jouez comme ça? D'accord. Et en fait, vous êtes combien dans cette base-là à peu près à farmer? Vous êtes tous les membres de la faction ou c'est une BP perso avec quelques personnes? Les 15 membres et... Et on a à peu près constamment 9-10 à farmer. Toujours, ouais. En plus, vous avez des Québécois et des Français. Comme on peut voir, lui, je pense que Pido, c'est un Québécois, ouais. Si je me trompe pas. Aussi, je voulais juste faire une dédicace à Slowman88. Je sais pas pourquoi, mais Slowman m'a donné des skins CSGO. Je sais pas. Un gros merci à toi, Slowman. Il voulait juste une dédicace dans ma vidéo, donc je la fais maintenant. J'en profite en parlant de Québécois, vu que c'était un Québécois. Ok, ensuite, est-ce que vous avez beaucoup de spawners? Combien de spawners avez-vous dans votre, base? Un spawner Enderman, un golem et 4 squelettes, mais pourtant ça suffit, on va bientôt en prendre plus. Ok, où sont... Ok, on peut voir le spawner Enderman ici, les spawners squelettes sont où? T'en viens là. Je te suis mon ami. Oups, ici, pédale. Spawner à golem. Spawner à golem, ok. Puis vous comptez dans farmer la monnaie pour en acheter plusieurs au shop, vu que le shop spawner est maintenant disponible, non? Ouais, vous avez aussi une nestie de farm de melon d'eau. Vous avez aussi une nestie... What the fuck, vous avez une grosse farm à melon. À melon, ouais, j'ai vu. Et ici, 4 spawners squelettes. Damn, vous êtes stack, les gars. Bon, mais... Qu'est-ce que vous faites avec vos cactus? Est-ce que vous les échangez en points ou vous farmez vraiment la monnaie en ce moment? Un peu des deux. Un peu des deux, parce qu'en fond, vous voulez acheter des spawners. Et puis les spawners, ça coûte quand même assez cher. On peut voir, c'est 150 000, etc. Je comprends. Donc, qu'est-ce qu'on peut, savoir sur ta farm? En haut ici, moi je vais mettre en game mode, je vais aller voir. Ouais. En gros, chaque côté, ça représente combien de chunks et combien de... Près 9 chunks par farm. Ok, 9 chunks, ça va jusqu'en haut. Ça va jusqu'à quelle limite en haut? Une vingtaine d'étages par farm. Ah ouais, quand même, hein. Quand même vachement gros, vous avez pas fini ici, je peux voir, il manque... Non, il y en aura peut-être 4 ans. Incroyable, dude. Holy fuck. Et puis ça vous a pris combien de temps, build tout ça? Mettons juste un côté, là, un 9 claim comme ça, ça prend combien de temps? Ça fait à peu près un jour et demi. Ok, puis là ici vous êtes encore en construction de quelques-uns ici, comme on peut témoigner. Ouais. Mais en soi, durant cette journée et demie, on farme... Mais vous êtes pas à la vous êtes à la surface, vous êtes pas en sous-terre, en fait. T'sais, vous avez pas à miner tout, mais ça reste quand même énorme de mon point de vue. Je trouve que c'est quand même énorme. Celle-ci aussi. Et c'est ce que ça produit combien ça produit par heure? Mettons qu'on fait une estimation. Combien tu penses que ça produit par heure? Ça produit une dizaine de décès minimum. Et une dizaine de décès, ça donne encore combien de monnaie à peu près si on a en proximité? Un décès, c'est approximativement 8000 de monnaie. Donc tu fais 8 x 10, ça donne à peu près 80 000$, c'est ça? Ouais. Pour une récolte, son. Et où est-ce que je peux voir les points de récolte en fait? C'est là-bas. Ici? Ok. Ah, ici. On va voir ça. Oh, vous avez fucking de zombies ici? On en avait 3000 hier. Ok, puis là, ici. Oh, ouais, ok. Ça rigole pas. Alors que pour ça, il y a une demi-heure.
Ah ouais, quand même. Ouais, je t'ai vu aller les vendre tout à l'heure. Wow, what the fuck, ça descend pas plus bas? Bah ici c'est l'arrivée des squelettes. Damn, ouais, vous faites... Ouais, là, il y a notre arrivée. En ouais. dessous, il y a l'arrivée des golems et... Mais faut, si et c'est pas efficace, quoi, c'est ça? Tu sais, les golems, ça rapporte pas... Ça rapporte pas tant d'argent à ne faire, ouais, non? Wow, incroyable, nos fake. Et puis, l'extérieur de ta base, qu'est-ce que c'est comme protection? C'est juste deux couches de cobblestone avec... Non, c'est pas que des couches de cobble. Ah, ok, je vais pas montrer les protections, mais là, j'étais à l'extérieur de la base et je peux voir qu'il y a de l'eau. C'est anti-usbug TP, ça? Non? Oui, il y a une protection qui est best TP. Ah ouais, c'est quand même énorme de l'extérieur, en gros. Ouais, il y a une... Ok, je vois l'anti-usbug TP. Wow. Incroyable. Et puis, à la base, vous étiez... toi, t'as rejoint la faction dès le début ou pas? Ouais, dès le début. Et puis, est-ce que vous avez déjà commencé à faire les farms? Quel était votre plan de match, mettons, pour une faction qui revient juste de rejoindre le savoir? C'est quoi que tu leur suggères de faire pour commencer puis finir être comme toi, mettons, là? Déjà, dès le début, faut commencer à bien s'éloigner du spawn et commencer le plus vite possible à faire des farms. Donc, toi, tu dis vraiment... C'est quoi, quel type de farm tu conseilles, toi? Bah, au début c'était cannabis, mais bon, il y a des bugs qui ont été patchés avec la bonne mine. Ouais, à la base on avait. Maintenant, la bonne mine est plus craftable. Ouais, le cactus. Mais la cannabis reste quand même assez, assez bien craftable. C'est genre dans le sens que tu peux acheter la bonne mille, puis il y en a beaucoup qui avaient déjà de la bonne mille. Donc, si tu avais déjà stacké un peu de bonne mille, ça peut déjà être vachement bien. Mais ouais, sinon, tu peux l'acheter au shop, je crois. Stocker des DC de. Et qu'on mettait tout en bonne mille. Ouais. Mais bon, quand on a su que ça allait être patché, on a tout transformé en bonne mille directement. Ouais, voilà. Le temps, on avait 2 DC de bonne mille quand c'était en train d'être. Mais là, si vous achetez, vous pouvez quand même acheter 32 bonne mille pour 500$. C'est là, faut juste. C'est pas vraiment rentable, tu comprends? Mais pour des gens qui veulent farmer les joints et les vendre à l'HDV, ça peut être une bonne façon. Tu sais, ça peut être une bonne façon. Aussi, est-ce que vous avez un système de subclaim pour certains de vos membres de votre faction? Non, des trucs comme ça? Aucun subclaim. Tout le monde. Il y a juste saucisson, mais ça c'est le chef, donc voilà. Tout le monde partage tout dans votre faction? Oui, en général, un peu. Dès qu'on a des trucs, on pose dans les coffres. Et après, il y en a certains qu'on avait fait. Incroyable. Malfox, si tu devais donner une note à cette base-là, ça serait sur combien, toi? Ça dépend, c'est esthétique ou... Ben, faut que ça soit... On juge sur l'esthétique, la grandeur, la grosseur des farms, ainsi que sur... comment ça rapporte, combien est-ce que ça vaut vraiment le coup, pour combien ça rapporte tout ce qu'on construit. Donc toi tu restes sur combien? La base elle est pas du tout finie là. Ouais, elle est pas finie, on peut voir. Elle est déjà énorme, donc ouais, elle sera finie, ça vaudra un bon 10 sur 10 là. Ouais, moi aussi je pense comme ça. Quand ça va être fini, je vais essayer de... Dans ma série en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'interview un peu les factions, j'essaie d'avoir des questions d'entre eux, etc. Et puis peut-être que je vais faire un épisode un moment donné où on va repasser sur votre base si c'est pas fait piller ou quoi que ce soit, puis on pourra voir l'avancement que vous auriez fait. Donc merci d'être avec nous, Mr. Cheat, sur cet épisode de Hawaii 5-0. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était une blague bien sûr. Non, merci Mr. Cheat d'avoir accepté l'interview. Et puis félicitations pour ton grade guide. D'ailleurs, t'es passé guide aujourd'hui, donc félicitations à toi. Et puis voilà les amis, je vous rappelle que l'engrime des AP est aujourd'hui. Si vous avez envie de vous claim un AP et de bien commencer sur le serveur est ouvert seulement samedi, donc ça fait seulement 4-5 jours que le serveur est ouvert. Vous avez encore le temps de rattraper les factions classement, vu que c'est quand même vachement facile de se faire des points. Mr. Cheat, qui est un joueur, t'approuve mon point. Hein. C'est quand même assez facile de se faire des points, c'est pas super difficile, on est d'accord. Hein? Ok. Ok, merci Divan, c'est vraiment gentil. Ok, fait que voilà les amis. Aussi, il y a un concours pour gagner un double claim AP Nord, claim par la faction de Malfox. Donc, si vous avez envie de participer à ce concours, c'est sur le Twitter du serveur. Ça va être tiré au sort à 20h. Et puis, voilà, je vous aime les amis, c'était Icons. Passez tous une excellente journée. Laissez un pouce bleu et suggérez-moi dans les commentaires quelle faction vous voulez que j'interview dans ma prochaine base série. Sur ce, base tour série. What the fuck, j'ai oublié un mot. Je vous aime les amis, c'était Icons. Ciao!